Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'ouverture d'une... Donc, comment on l'appelle déjà ? Le coffret, on va dire... Picaraikwaza. Voilà, donc... merci à la team Skiratros chez qui j'ai acheté. Comme ça, ça m'évite de l'acheter sur eBay. Et puis, au moins, je sais que je peux avoir confiance et je sais chez qui je l'achète. Donc, merci encore à vous. Donc, ce qu'on peut trouver dedans, les deux cartes promo. Donc, de Pikachu en cosplay Rayquaza, le shiny et le normal, le la deck box, les sleeves, l'autre boîte et 5 boosters XY. Voilà, voilà, donc normalement c'est les nouvelles, ça doit être XY6 je crois, c'est le rugissant, et puis là c'est les nouveaux. Voilà, voilà, donc en dessous, super mignon, c'est trop chou, bah comme les autres en fait. Le normal, le shiny, et voilà, voilà. Donc elle est sortie il y a pas très longtemps, je crois. Mais bon, comme ça. Là, je l'achète pour avoir les promos du coup au final, et pour les sleeves. Parce que on va dire que je collectionne entre guillemets les sleeves. Donc comment elle s'ouvre, comme les autres je suppose, ouais. Donc là c'est la boîte, elle est superbe. Ils sont trop mignons. Je crois que c'est pareil. Hein. Et le dessous. Ouais, donc le nouveau Sky Triton, bon je suis pas très anglais mais voilà, elles sont superbes, enfin elle est superbe. La promo elle tue. Donc la promo, ah bah il y a peut-être, ça c'est dommage, ils ont mis l'autre derrière. Donc celle de Pika en normal, donc Rayquaza. Elle est vraiment magnifique. Je suppose que l'autre doit être derrière. Dommage parce que je voulais garder ça scellé en fait. Bon, on verra. Je pense que ça doit être comme ça. Bon tant pis pour l'instant. Quoique, allez, on met cette pochette et puis ça, je vous montre l'autre. Magnifique. Ouais, donc l'autre est bien derrière. Donc la seconde en version shiny. Elles sont vraiment mais sublimes. Bon, je choisirais peut-être plus celle-ci. Mais elles sont vraiment superbes toutes les deux. Ensuite donc on a la deck box. Les sleeves, trop chou. Et ce qui nous intéressait aussi, les boosters. Alors,
Du coup, c'est cool parce que donc on a du XY11, donc de chaque, et puis celui-ci, donc ouais, des XY6, donc hyaluronisant, ouais. Avec quoi, hein, bien sûr. J'avais vu un petit peu d'ouverture pour ces nouvelles displays. C'est vrai qu'elle me tentait bien, surtout la garde-voir. Mais du coup, je sais pas encore si je vais acheter ou pas, vu que là, c'est en train de sortir en France. Donc, il y en a qui ont déjà ouvert des displays. Bon, du coup, je vais commencer avec le Tigretis, le Requa. Donc, ça a l'air d'être de l'édition 2. Je crois que c'était comme ça, on verra. Alors, on a... Ce sera plus mignon comme ça. Alors, on commence avec électrode. Tiltant. Tropus. Oh, joli. Bah, déflaisant. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et Timmy, donc les semi-foulards ou je sais pas le quoi là, bref. Donc j'ai commencé avec Volcanion, donc ouais, XY11, donc offensive vapeur, un nom très bizarre d'ailleurs, je suis pas fan. D'ailleurs on peut voir Xerneas en haut là, turbo. Donc, pour les distributions, je pense. Pour les 20 ans. Ouais. L'image est superbe. On a Tracarmin. Oui, ça se prononce comme ça, je crois. Donc, c'est de l'édition 1. Ah oui. Je l'avais pas vu sur le truc. Enfin, bref. L'illustration est superbe. Magnifiquement dessinée. J'aime beaucoup. Moussillon, trop mignon aussi. Alors ça doit être... Bah non, donc c'est Clitty-Clic. Non, Clic. Tic, pareil. Non, Clitty-Clic, alors je dirais. Vu que là, ça doit être... Clic, ouais. J'ai jamais. Hein. Wow, magnifique. Croix pour... Ouais, croix pour elle. Hein. Magnifiquement bien dessiné. J'aime pas être ce Pokémon, mais... Magnifique. Et Cobaltium en rare, je suppose. Non, en inco. Magnifique aussi. Il aurait été top en holo. Donc le deuxième. Alors on a un trompignon cap humain, donc ils s'amusent, hein. Ils font exploser les trucs. Lugulabre, si je ne dis pas de bêtises, non c'est Mélancolux, pardon. Lugulabre c'est l'évolution finale. Et Megavolt en double type, donc électrique plante, magnifique. Elles sont vraiment jolies. Et on a un truc d'énergie. Donc on passe au booster avec Mega Gardevoir Shiny. Si je dis pas de bêtises. On a Mega Arnea, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça se prononce. Et Yveltal. Il y en a, ils disent Megana, Magana, je sais pas quoi.
On a Granivelle, qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le dessin. C'est vraiment fait au dessin, au crayon papier. Enfin, crayon de couleur, quoi. Vraiment sympa. Ensuite, on a Anorith. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Nidorino. Très sympa. Et un ninja. Et Armaldo, donc l'évolution d'Anorith. Mais ça date d'épée, ça, au moins. Et donc, le dernier booster. Méga Gardevoir. Il a une tête, donc Grelasson. Il est trop chelou. En fait, c'est ses yeux. Ah, il est trop mignon. Farfuret, il est trop chou. Sac de nœuds, qui s'amuse bien. Bah, son évolution, boule de nœuds. Oh, joli. Farampanolo, elle est magnifique. Elle est vraiment superbe. Donc, on aurait Nolo, c'est cool. Et magnifique l'image de il dit coucou pêcheur, je sais pas, au revoir. Vu qu'avant il était dans les phares, il est superbe. Donc j'espère que ça vous aura plu tout de même. Et puis bah, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Bah, je sais, chaque offensive, donc on peut trouver des boosters, tout ça. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais. Je pense que je vous sortirai un petit truc pour la semaine prochaine. Je verrai ce que je trouve en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!